Bonsoir. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons ces jours le retour à la maison du révérend Pasteur Baruch Kassongo, qui est rentré aujourd'hui au Canada après un malaise. Quel manque, quel vide que nous constatons dans les corps du Christ au Congo. Voir un grand enseignant, un prédicateur chevronné, une personne qui a consacré sa vie pour le bien-être du corps du Christ. Que dire de ces départs tragiques? Que dire de ces départs qui nous laissent sans mots? Le maître a donné. Le maître a repris. Et pour nous autres, nous ne faisons que prendre acte. Le révérend Baruch est l'un des grands enseignants de la plénitude de l'évangile du Congo. Le révérend Baruch, de son parcours de l'église Nzambe Malamu jusqu'au message de l'air, a donné le meilleur. Humains que nous sommes, quel genre de mort aurions-nous souhaité pour le grand Baruch? Voudrions-nous qu'il meure du haut d'une chair? Dieu a donné, Dieu a repris. Et pour nous autres, nous ne prenons que acte. On prend acte. Nous verrons que la paix t'accompagne à ses départs. Que l'amour t'accueille à ton arrivée. Puissions-nous nous retrouver de l'autre côté du rideau, du temple. À bientôt. Que la paix t'accompagne à ses départs. Que l'amour t'accueille à ton arrivée. Puissions-nous nous retrouver de l'autre côté du rideau, du temple. À bientôt, dans le ciel. À bientôt, au pied du maître. À bientôt, sur le bras de notre père Abraham. Tous nos frères, dis à tous nos bien-aimés que nous aussi reviendrons. Bon traversée du jour. Merci pour tout, Révérend. Merci du fait que tu as consacré ta vie pour Christ. Merci pour ce peuple pour qui tu t'es donné. Nous ne te disons pas à Dieu, mais à toi, révérend, nous te disons à bientôt. Enseignés que nous sommes, nous ne savons que la mort n'est rien d'autre que notre transformation. Nous quittons ces corps pour passer à un corps théophanique. Nous croyons. Tous les frères et sœurs de la grande famille Baruch Tabernacle qui traversent cette épreuve, qui traversent ces moments aussi douloureux,
que Dieu est compatissant puisse nous consoler. À la famille biologique, c'est difficile de perdre un être très cher. Surtout après une mort inattendue comme celle-ci. Que Dieu console davantage vos cœurs. Pour les frères et sœurs du message de l'air, que Dieu vous console. Et pour le corps, l'Église corps du Christ, du Congo et partout dans le monde entier, que ces moments, que ces deux parts nous servent des leçons que nous puissions nous rapprocher davantage de Christ. À bientôt, révérend. Merci pour tout.